Merci d'être avec nous cet après-midi, puisque nous avons convoqué ce point de presse rapidement. Donc vous avez été réactif et nous vous en remercions. Nous avons trois choses importantes à vous dire. 48 heures après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, la bataille des élections législatives bat déjà son plein. Jeudi 9 mai, à 19h, au gymnase Japy à Paris, je lancerai, en présence de nombreux candidats soutenus par le Parti communiste et le Front de gauche, la campagne nationale des communistes. Nos ambitions dans cette bataille sont très claires. Premièrement, nous voulons concrétiser l'espoir ouvert par les 7,5 millions de voix recueillies le 23 avril par le vote Jean-Luc Mélenchon. Nous voulons donner à cette force nouvelle une représentation maximale dans l'Assemblée nationale pour faire entendre l'exigence d'un nouveau progrès social et écologique pour le pays et refuser les projets libéraux d'Emmanuel Macron. Cette bataille est décisive car à ce jour, la majorité parlementaire n'est acquise pour personne, pas plus pour le président de la République que pour n'importe qui d'autre. Deuxièmement, nous voulons élire le maximum de députés qui refuseront de signer un chèque en blanc au président pour légiférer dès cet été par ordonnance contre la casse du Code du travail, pour la casse du Code du travail, pardon. Troisièmement, après la défaite infligée à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, à laquelle nous sommes fiers d'avoir contribué avec clarté, nous voulons maintenant barrer la route à une entrée massive du Front national dans l'Assemblée nationale. Quatrièmement, nous voulons renouveler en profondeur l'Assemblée nationale en faisant entrer des députés représentant vraiment le peuple dans cet hémicycle, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, des infirmières, des cheminots, des professeurs des écoles, des chômeurs, des étudiants, des jeunes en situation de précarité, des salariés, femmes et hommes à parité de toutes conditions et de tous métiers, que ni En Marche, malgré les beaux discours que j'entends, ni la droite ni le Front national ne présenteront jamais. Nos candidats, dont près de 70% n'ont aucun mandat électif, sont à l'image de cette France du travail. Pour concrétiser ces objectifs essentiels et cruciaux, je renouvelle cet après-midi avec gravité et un peu de colère mon appel à la France insoumise, pour que nous allions, non dans quelques circonscriptions, mais le plus largement et nationalement possible à la bataille, ensemble, sous une bannière commune, qui puisse rassembler France Insoumise, le Parti communiste, ensemble, les forces citoyennes du Front de gauche et toutes les forces de gauche et écologistes qui pourraient alors nous rejoindre. Que cherche-t-on sinon ? La défense d'intérêts de recomposition partisane ou une victoire du peuple qui rebatte les cartes après la présidentielle et redonne une chance à notre peuple de peser sur son avenir. Or, soyons clairs, sans accord national entre nos forces, nous diviserons les électeurs de Jean-Luc Mélenchon du 23 avril, alors qu'ils nous demandent l'unité, qu'ils nous demandent une seule candidature la plus à même de gagner dans le maximum de circonscriptions. Cet accord est la condition de l'élection du maximum de députés et de la mise en échec des tentatives de mainmise sur la représentation nationale d'En Marche, de la droite et de l'extrême droite, tentatives de mainmise qui, on le sait, peuvent être facilitées par la logique institutionnelle des mécanismes de la Ve République et qui peuvent être facilitées dans ces conditions contre la volonté de millions et de millions de nos concitoyens qui seraient alors privés de représentation à la hauteur de leur poids dans la société. À ce jour, et alors que la bataille s'engage de tous côtés, comme on le voit depuis hier, cet accord fait toujours défaut. C'est pour nous incompréhensible.
J'alerte sur le gâchis qui se prépare. Les discussions entre nos deux formations n'ont pu porter encore hier soir, et j'y participais personnellement, n'ont pu porter, malgré nos demandes, que sur un échange de retrait réciproque de candidatures portant sur moins de 15 circonscriptions pour chaque formation sur les 577. Nous poursuivons nos échanges, mais les électeurs et les électrices de Jean-Luc Mélenchon, de toute la gauche, de la jeunesse, du monde du travail, des quartiers populaires, ne comprendraient pas que nous en restions là. Il reste quelques heures pour élargir le périmètre de la discussion et lui redonner l'ambition attendue. L'incompréhension est grande dans le pays et je la partage. Nous sommes prêts nationalement à tout moment pour avancer et nous avons fait des propositions pour le permettre. Et au-delà des discussions nationales, je demande à tous nos candidats, dans tous les départements, d'entrer en campagne la main tendue, ouverte à tout accord qui puisse débloquer cette situation localement ou nationalement. Face aux candidats En Marche, à la droite et au FN, qui travaillent tous à élargir le rassemblement opéré autour de leur candidat présidentiel, nous serions les seuls à ne pouvoir offrir à nos électeurs que le dilemme de la division, c'est une folie. Je veux lancer un second appel. Si nous avons battu Marine Le Pen au second tour, le combat continue et le danger menace toujours, avec plus de 10 millions de voix réunies par Marine Le Pen. Dans 45 circonscriptions de France, où Marine Le Pen a réuni plus de 50% des voix le 7 mai, j'invite à la mobilisation et à la convergence de toutes les forces démocratiques pour empêcher l'entrée massive du Front national à l'Assemblée nationale. Dans nombre de ces circonscriptions que nous sommes en train d'examiner une à une, il est possible de ne pas laisser les électeurs prisonniers d'un second tour à l'élection législative opposant la droite ou En Marche au Front national. Nous sommes prêts à la discussion dans chacune de ces circonscriptions pour créer les conditions d'un rassemblement maximum pour qualifier une candidature porteuse d'un projet de justice, de démocratie et d'égalité. Enfin, je veux dire que derrière l'énorme opération de com lancée par le nouveau président de la République sur le thème du renouvellement et de l'audace, se cachent déjà de vieux projets du MEDEF et des méthodes antidémocratiques archaïques. Le recours aux ordonnances pour légiférer contre le Code du travail, en contournant la négociation avec les syndicats, n'est pas une fatalité. Je veux souligner une chose extrêmement importante. Le président de la République n'a pas le pouvoir d'enclencher à lui seul cette disposition. Une loi d'habilitation des ordonnances doit être votée au Parlement. Si une majorité de députés s'y oppose, il n'y aura pas de recours aux ordonnances. Nous appelons donc à la mobilisation dans tout le pays, sans attendre, et nous disons, élisons partout, le maximum de députés qui refuseront une telle loi habilitant les ordonnances, et organisons au contraire le débat législatif en direct et sous le contrôle du monde salarié, dans le dialogue avec les organisations syndicales. Nous en appelons sur ce sujet à toutes les forces qui se sont mobilisées l'an dernier contre la loi travail. Nos députés, s'ils sont élus, seront porteurs de propositions pour un code du travail du XXIe siècle et des droits nouveaux de sécurité, d'emploi et de formation pour tous. Nous avons déjà déposé des propositions de loi qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale en ce sens. Nous les verserons au débat de la campagne des élections législatives. C'est ce grand débat national et démocratique que nous voulons, pas un blitzkrieg antisocial pendant l'été. Nous ferons de cette question un enjeu majeur et premier de la campagne législative qui s'annonce. Merci à vous. Et nous sommes disposés avec Olivier d'Artigol, qui est à mes côtés, pour répondre à vos questions. Alors, comme il y a une retransmission en cours, pour poser des questions, vous présentez en même temps, et puis voilà, vous posez votre question. C'est bon, tout est clair en fait.
Ah, Raphaël, je savais que tu pouvais pas résister. Bonjour, Raphaël Bézé-Moulière du Monde. Bonjour. Quand vous dites dans vos discussions avec la France Insoumise que donc il y a visiblement des blocages, ils portent sur quoi ces blocages et jusqu'à quand vous vous donnez pour les surmonter? Est-ce qu'il y a de nouvelles, un nouveau rendez-vous de prévu? Enfin, comment ça va se passer? Ils portent d'abord sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire le caractère extrêmement limité de la discussion que nous parvenons à avoir pour le moment. Un nombre de circonscriptions très limité, et nous pensons que ce n'est absolument pas à la hauteur de la situation. Et en plus, ce nombre très limité de circonscriptions conduit effectivement à des blocages sur certaines circonscriptions, mais qui pourraient très facilement être dépassés si on élargissait le périmètre de cette discussion, parce qu'il y a largement le nombre de circonscriptions où nous pouvons gagner si nous sommes ensemble dans cette bataille et où donc chacun pourrait être utilement représenté. Donc ça, c'est le blocage principal. C'est le périmètre très étroit de la discussion dans laquelle nous nous trouvons et qui nous paraît, à nos yeux, extrêmement insuffisant. Donc par exemple, pour prendre, mais je pourrais en prendre d'autres, il y a, je crois, la possibilité d'aller à des conquêtes importantes à Marseille, où les résultats de Jean-Luc Mélenchon ont été importants. À ce jour, la discussion ne permet pas de mettre même dans la discussion la plupart des circonscriptions marseillaises. Il y a à Paris, que je connais bien, permettez-moi cet exemple que je connais de près, il y a au moins 4 circonscriptions où les chances de gagner sont réelles si nous allons à la bataille ensemble. La discussion sur les circonscriptions parisiennes est à ce jour impossible entre nous. Donc nous tournons, malgré nos demandes d'élargir ce périmètre, nous tournons autour d'un nombre de, je l'ai dit, moins d'une quinzaine de circonscriptions pour chaque formation. C'est évidemment très étroit. Et cela nous empêche de résoudre toute une série de problèmes que nous pourrions résoudre. J'en appelle parce que ça n'est pas à la hauteur de l'ambition et parce que aussi ce serait le moyen de débloquer la situation, à un élargissement rapide de cette discussion. Nous nous sommes quittés hier en disant que nous continuons à échanger. Nous avons pour notre part examiné ces propositions au comité exécutif national ce matin et nous avons décidé de relancer des propositions pour élargir la discussion et solutionner de cette manière des points de blocage que nous pouvons facilement, à nos yeux, résoudre en élargissant le nombre de circonscriptions concernées. Donc nous faisons part de ces nouvelles propositions à nos partenaires et nous verrons bien ce que ça donne. Mais le temps presse, c'est pour ça que j'insiste. Chacun voit bien que tout le monde entre en campagne et que nous aussi, nous devons entrer en campagne. Nous ne pouvons pas passer les 5 semaines des élections législatives à discuter. Le dépôt des candidatures est ouvert le 15 mai. Tout le travail se fait maintenant. Il reste donc quelques heures. 48 heures, disons. Sébastien Sabiron de France Inter. Au-delà du nombre de circonscriptions, enfin, d'ailleurs j'aimerais peut-être connaître à partir de quel nombre vous jugeriez l'accord convenable, est-ce que vous seriez prêt, vous, au Parti communiste, à signer la charte, comme la charte de la France insoumise? Est-ce que le Parti communiste garderait son autonomie financière dans le cadre de cet accord? Ou est-ce que les députés communistes investis contribueraient financièrement à l'association des Insoumis? Non, mais cette question, elle est réglée, si je puis dire, depuis longtemps. Chacun connaît la situation. Justement, pour permettre le rassemblement de toutes nos candidatures, il faut trouver ce que j'ai appelé, moi, la semaine dernière, c'est la proposition que nous avons faite, une bannière commune qui nous rassemble et qui permette à ceux qui sont dans la France insoumise et ceux qui n'y sont pas comme nous et qui n'y seront pas, de se rassembler dans des candidatures communes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un point de blocage.
tant que je crois que ça ne sera pas possible de rassembler des forces qui sont diverses et de rassembler dans les urnes l'ensemble des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui viennent d'horizons très divers. Certains sont des membres de la France insoumise, 450 000 si, sur les 7,5 millions. D'autres sont dans le Parti communiste, mais il y a beaucoup d'électeurs qui viennent d'horizons divers. Donc il faut permettre un rassemblement dans lequel tout le monde est respecté. Donc là-dessus, nous avons fait des propositions et ça fait justement partie des points de bocage. Moi, je regarde ce qui se passe ailleurs, je l'ai dit. Ce que je constate, c'est que tous ceux qui, toutes les autres forces face à nous, elles travaillent à aller plus loin que le périmètre qu'elles avaient déjà rassemblé, et même parfois pour certaines d'entre elles, un périmètre plus important que le nôtre à l'élection présidentielle. Et nous, on serait les seuls à faire l'inverse. C'est fou. Donc il faut que nous nous projetions vers un accord qui nous permette de rassembler tout le monde, et cela le plus vite possible. Notre appel, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est de créer les conditions optimales pour que ces forces ne se présentent pas divisées. Et d'ailleurs, on en a fait le point ce matin en exécutif. De très nombreux responsables de notre parti nous font des remontées à partir de leur territoire, de leur département, des circonscriptions, pour nous dire que les électrices et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon nous interpellent et nous invitent très fortement, portent une exigence de rassemblement et d'unité, parce qu'ils voient bien le paysage se mettant en place pour cette bataille législative qui sera express très rapide. Ils voient bien que les blocs se mettent en face. Et pourquoi, alors qu'on a fait une belle campagne, qu'on a obtenu un magnifique résultat, nous ne serions pas capables de faire rebondir cette espérance, ce positif, j'ai envie de dire, dans la vie politique des prochaines semaines, et le traduire par l'élection d'un très grand nombre de députés de la France insoumise, du Parti communiste, des sensibilités du Front de gauche, des syndicalistes, de la sensibilité, de toutes les sensibilités de la gauche. Et regardez combien cela a compté, cette combativité, lors de la dernière mandature sur la loi El Khomri. Le premier rendez-vous fixé par le nouveau président est justement avec une méthode tout aussi violente et brutale via les ordonnances, de reconvoquer le pays sur ce sujet-là. On va avoir besoin d'un groupe très fort. Et comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on le dit avec gravité et en effet avec un peu de colère. Parce qu'un très grand nombre de situations pourraient être réglées en quelques secondes, ce qui permettrait d'élargir la discussion sur un périmètre beaucoup plus vaste. Et donc envoyer partout dans le pays un message très positif à cet électorat et bien au-delà à tous ceux qui se reconnaissent dans la résistance aux coups qui seront portés par le nouveau président. Pardon ? C'est mon téléphone qui fait ça ? Je vais l'éteindre. Excusez-moi. Sur ces deux questions, nous discutons avec toutes les forces qui sont prêtes à constituer avec nous un rassemblement le plus large possible et même si possible une majorité, puisque nous allons disputer, va se disputer dans cette question des élections législatives, la future majorité parlementaire, qui donc sont des forces qui veulent s'opposer avec nous à la droite et à l'extrême droite et qui refusent l'idée de rentrer dans une majorité présidentielle avec Emmanuel Macron. Donc il y a des forces que vous avez citées avec lesquelles on discute. Alors ça ne vous a pas échappé, les écologistes sont devenus un monde assez divers, hein, mais,
Donc il y a des positionnements individuels qui sont différents, mais nous avons oui, des contacts avec la direction d'Europe Écologie Les Verts qui se situe, en tout cas son secrétaire national, dans cette perspective. Et nous regardons les situations, elles sont... il n'y a pas de choses conclues, mais nous discutons. Il y a également, alors au Parti socialiste, il y a une situation assez confuse, on va dire, pour le moins, assez éclatée et confuse. Il y a d'ailleurs, je crois, aujourd'hui une échéance dont on ne sait pas très bien encore ce qui va en sortir. Mais effectivement, si des candidats partagent nos objectifs, nous regardons ce qu'il est possible de faire ensemble. Mais c'est évident, il faut bien, je voudrais insister sur ça, sur une chose qui à mes yeux est très importante. La responsabilité de créer une dynamique qui soit une dynamique gagnante nous incombe, à nous, la France insoumise, le Parti communiste, ensemble, et les forces qui ont permis le résultat de Jean-Luc Mélenchon. C'est là que le cœur de la dynamique possible se joue. Et c'est pour ça que nous insistons, évidemment, sur l'appel que j'ai lancé tout à l'heure. Parce que si il y a une dynamique gagnante à créer, c'est à partir de ces forces qu'elle peut l'être. Quant à l'autre question, c'est vrai que nous avons contribué à battre Marine Le Pen au deuxième tour. Nous avons fait, vous le savez, un appel clair en ce sens. Et nous avons eu raison. Parce que il s'est passé ce que nous craignons, d'une part, c'est que Marine Le Pen a continué à gagner plusieurs millions de voix dans l'entre-deux-tours et qu'elle a atteint au second tour de l'élection présidentielle un nouveau record historique de suffrages avec 10,5 millions de suffrages. Donc la menace est sérieuse et elle est durable. Mais en même temps, nous avons eu raison, parce que l'appel que nous avons lancé a permis de la battre très largement et de mettre provisoirement un coup d'arrêt à sa tentative de se présenter comme la seule alternative possible. Mais ce résultat, et je constate d'ailleurs avec satisfaction que près, si j'en crois les enquêtes qui sont publiées, que près des deux tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon aient voté et utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron, comme nous les appelions à le faire, pour mettre le score de Marine Le Pen le plus bas possible. Et quand nous disions, la semaine dernière, que ce n'est pas la même chose que Marine Le Pen fasse 45% ou 35%, nous sommes en train de le vivre en direct. Donc nous avions raison. Mais ce que nous avons fait n'a de sens que si ce combat se poursuit. Il n'est pas le combat d'un dimanche. Il est pour nous un combat pour faire reculer dans la durée la place et la force du Front National, de faire reculer ses idées, de faire reculer la banalisation de l'utilisation du bulletin de vote Front National. Et donc, la bataille que nous venons de mener n'a de sens que si elle est prolongée dans les élections législatives. Et nous avons regardé de près la situation. L'élection de députés du Front National menace, dans beaucoup de circonscriptions. Nous pouvons assister à une entrée massive du Front National dans l'Assemblée nationale qui contrarierait tous les objectifs qui sont les nôtres d'empêcher Emmanuel Macron d'aller vers ses projets antisociaux. Parce que moi, j'ai vu comment se comportaient les parlementaires du Front National dans la bataille sur la loi Macron ou sur la loi El Khomri. Je ne les ai jamais vus à nos côtés dans ces batailles parlementaires. Jamais. Ils se sont toujours fait porter pâle, ils n'étaient pas là, ils avaient autre chose à faire. Jamais je les ai vus voter à nos côtés contre ces projets antisociaux. Et je pense qu'il en serait de même demain. Donc leur entrée massive dans l'Assemblée nationale sera une mauvaise situation pour le monde salarié. Donc nous devons nous mobiliser pour ça. Et j'ai attiré l'attention, mais malheureusement il n'y a pas que celle-là, sur des circonscriptions où le danger est extrême, puisque Marine Le Pen, en progressant encore au deuxième tour, a réuni, je l'ai dit, dans 45 circonscriptions, plus de 50%. Donc je pense que dans ces circonscriptions, nous ne pouvons pas laisser faire les choses après ce que nous avons fait au second tour de la présidentielle. Alors,
Pour cela, je crois que l'objectif que nous pourrions nous donner dans ces circonscriptions, je l'ai dit, c'est de qualifier au second tour un candidat porteur des valeurs de justice, d'égalité que nous défendons. Et je crois que dans beaucoup de ces circonscriptions, peut-être pas dans toutes, parce que dans certaines, nous aurons du mal, il faut le dire, à éviter un second tour entre la droite et le Front national. Je pense à quelques départements où ça va être compliqué. Mais dans beaucoup d'endroits, la qualification d'un candidat qui représente vraiment les idées de progrès social, vraiment la gauche, est possible. Et si nous ne créons pas les conditions de ce rassemblement, eh ben nous irons tout droit à l'élimination au second tour. Et une nouvelle fois, les électeurs de ces circonscriptions seront piégés comme ils l'ont été au second tour de l'élection présidentielle. Nous voulons éviter cette situation. Donc c'est un appel que je lance. Je n'ai pas de cas précis à vous donner parce que nous venons d'examiner cette situation. Mais nous allons, dans chacune de ces circonscriptions, discuter avec les forces démocratiques, y compris des forces citoyennes. Il ne s'agit pas seulement d'un appel que je lance aux forces politiques, mais aux forces démocratiques, aux forces citoyennes de ces circonscriptions, pour dire qu'est-ce que nous faisons ensemble pour éviter cette situation que nous ne pouvons pas banaliser. Ne pas traiter cette situation serait une nouvelle étape de banalisation, on en veut pas. Bonjour, Alban de Montigny pour La Croix. C'est plutôt un appel à avoir des prolongements. Donc nous allons travailler sur cette question. Évidemment, je m'adresse aujourd'hui à toutes les forces qui peuvent être concernées. La semaine dernière, la France Insoumise vous a accusé d'utiliser une photo de Jean-Luc Mélenchon et des éléments de charte graphique sur des documents de campagne pour législative et a même décidé d'engager des actions, des poursuites judiciaires. Est-ce que vous en avez rediscuté avec eux ? Alors, je passe sur l'épisode de fin de semaine dernière, parce que je n'ai pas l'intention de polémiquer sur le sujet. D'autres l'ont fait avec beaucoup plus d'humour que moi sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je veux dire que l'épisode de fin de semaine dernière est quand même assez pitoyable. Le communiqué qui a été publié. Et j'ajoute les déclarations scandaleuses et qui mériteraient même des excuses d'une porte-parole nationale de la France insoumise qui a un peu perdu les pédales en nous comparant au Front national. Mais je passe sur ça parce que ça n'est pas l'essentiel. Sur cette question qui a été abordée, notre réponse a été très claire aux dirigeants de la France insoumise. Dans les circonscriptions où Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas l'utilisation de cette image, de son image personnelle, nous respecterons ce droit à l'image. Donc notre engagement est très clair là-dessus. En revanche, évidemment, nous ferons état de ce qu'a été notre engagement à l'élection présidentielle. Personne n'est au pouvoir de nous demander de nous taire sur ce qu'a été notre engagement présidentiel. Nous avons appelé à voter pour un candidat, nous avons fait campagne, nous avons distribué des tracts, nous avons investi des moyens financiers et matériels pour permettre le résultat. Donc nous faisons partie des forces qui ont soutenu ce candidat, mais nous le ferons, et c'est bien normal, en respectant le droit à l'image de Jean-Luc Mélenchon, s'il nous le demande. Mais j'ajoute sur ça que le vrai problème, à mes yeux, n'est pas celui-là. Le vrai problème, à mes yeux, c'est allons-nous obliger tous les électeurs à choisir entre deux candidats qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon ? Parce que si la situation continue, il n'y aura pas dans les circonscriptions un candidat qui aura soutenu Mélenchon, il y en aura deux et parfois peut-être plus. C'est à cette situation que nous voudrions éviter parce qu'elle conduira à la dispersion, à la division des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui viennent de plusieurs familles politiques, de plusieurs sensibilités politiques et qui donc seront obligés de choisir. Et ces électeurs, partout où nous les rencontrons, nous demandent qu'on essaye d'éviter cette situation et nous les comprenons. J'ai cru comprendre que parmi les circonscriptions qui pouvaient poser problème, il y en a certaines que vous demande la France insoumise, elle vous demande dans les désistements réciproques. Il y a celle de Montreuil ou celle d'Ivry, par exemple, qui pose souci. Et celle de ? D'Ivry.
Est-ce que c'est pour vous des points non négociables ou est-ce que vous êtes prêt à envisager de vous désister face aux candidats de la France insoumise dans ces circonscriptions ? En Seine-Saint-Denis, les choses sont claires pour nous. Il y a plusieurs, pas une ou deux, il y a plusieurs circonscriptions qui peuvent être gagnées si nous allons à la bataille unie. Il y en a au moins six, je dirais, et peut-être en créant une dynamique au-delà. Donc la première chose que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait une discussion sur l'ensemble du département qui permette de trouver un accord dynamique dans toutes ces circonscriptions. Cette discussion, pour le moment, n'a pas été possible, puisque la France insoumise ne veut pas de discussion départementale et dans nos discussions nationales demande que les logiques départementales ne soient pas un critère. Donc ça ne facilite pas beaucoup ce genre de discussion. Alors que dans beaucoup de départements, elle serait très utile à élargir justement le nombre de circonscriptions gagnables. Donc nous avons fait ça. Nous avons modifié nos propositions pour élargir le nombre de circonscriptions à France Insoumise. Et nous avons proposé, concernant précisément celle de Montreuil, nous avons dit que nous étions d'accord. Et je le redis ici, nous sommes d'accord pour contribuer, si la France insoumise le souhaite, à l'élection d'Alexis Corbière, mais pas forcément dans cette circonscription. Mais nous sommes prêts à en discuter dans une autre circonscription, parce qu'à Montreuil, nous considérons que nous sommes légitimes à conduire ce combat, qui a d'ailleurs été engagé depuis de très nombreuses semaines, avec un soutien très large de personnalités très diverses, de toutes les sensibilités de la gauche montreuilloise. Et d'ailleurs, je rappelle que cette circonscription fait partie des circonscriptions que nous avons mis en débat dans celles où nous pensions être en situation de reconquête il y a maintenant très longtemps, puisqu'elle fait partie des premières que nous avons citées bien avant que la décision ne soit prise par Alexis Corbière. Donc voilà, on est prêt à envisager une solution à ce problème, mais pas dans cette circonscription. Quant à Ivry, nous avons été face hier soir à une proposition un peu bizarre en fin de soirée, je dois dire, puisque dans le Val-de-Marne, la France insoumise, hier soir tard, nous a demandé de nous retirer dans les deux seules circonscriptions en discussion du Val-de-Marne, non celle-là. Je ne pense pas que ce soit une proposition qui tienne sérieusement la route, singulièrement à Ivry, où chacun sait que nous avons les capacités et la possibilité de regagner un siège perdu de quelques centaines de voix en 2012. Mais là aussi, nous avons fait des propositions départementales. Dans ce département, nous faisons des propositions départementales qui permettraient à chacun d'aller au gain de siège. Dit aussi d'ailleurs. Merci à vous.